Boozer, est-ce que t'es là? Ricky, quand Lost Lake, y a quelqu'un? Deacon? Ricky, ouais, c'est moi. Merde, attends! Deacon, Mike a envoyé des gens à ta recherche. Ricky, les Reapers en ont après Boozer. Dick? Non, non, non! Hé là, tire pas, c'est Deacon! Iron Mike nous a envoyé à ta recherche. Les Reapers! Continuez, je vous couvre! Faut qu'on rentre au camp, vous en faites pas, je m'occupe d'eux! Faut les arrêter! Passez par la porte est, c'est compris? Le pont principal! Je vous laisse ici! Je vais prendre la passerelle au-dessus du marais! Si vous voyez Boozer, dites-lui que les Reapers viennent pour lui, d'accord? Compris. Hé, St. John! Bonne chance, Dick! Vous aussi, et si vous voyez ce qu'ils ont buté, ce fils de pute? Les Reapers en ont après Boozer. Dick? Non, non, non! Hé là, tire pas, c'est Deacon! Iron Mike nous a envoyé à ta recherche. Les Reapers! Continuez, je vous couvre! On rentre au camp, vous en faites pas, je m'occupe d'eux! Faut les arrêter! Vous arrêtez pas, continuez! On y est presque! Le pont principal! Je vous laisse ici! Je vais prendre la passerelle au-dessus du marais! Si vous voyez Boozer, dites-lui que les Reapers viennent pour lui, d'accord? Compris. Hé, St. John! Bonne chance! Vous aussi, et si vous voyez ce qu'ils ont buté, ce fils de pute?
Non, 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 non. Du calme, je te ferai pas mal. Allez. Ok. Allez, non, 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 tout va bien, ça va. C'est pas profond, tu vas t'en sortir, ça va aller. Bon, écoute, regarde-moi, regarde-moi. Je recherche Boozer et Schizo, tu les connais? Tu sais où je peux les trouver? Je sais pas. Aucune idée, je veux dire. Tout s'est passé si, si vite. Ils étaient partout. Ils, les Reapers, ils sont déferlés dans le camp. Et ils nous ont torturés. Ils, m'ont attrapé. Et aussi... Hé, hey, dis, comment tu t'appelles? Mon Dieu. Nicole. Tu sais te servir d'un flingue, Nicole? Ouais. Bien. Ouais. Ok. Tu vois la tour là-bas? Je veux que tu y ailles et que tu te fasses toute petite. Si des Reapers se pointent, tu leur fais sauter la cervelle. Moi, je vais retrouver tes amis, d'accord? Vas-y. Repose en paix. C'est bon. Merci. Chut, c'est pas le moment. Vous connaissez Nicole, hein? Bon, écoutez-moi. Foncez vers l'ouest jusqu'à la passerelle. Nicole est dans la tour de guet. Rejoignez-la et aidez-la. Plus aucun Reaper ne doit passer par le marais, c'est compris? C'est un miracle. J'ai prié de toutes mes forces. Ok, allez, foncez! Merci. Ok, Nicole, j'ai fait ma part. À toi de jouer. Ricky, y'a quelqu'un? Dick, je croyais t'avoir perdu. Ricky, où est Boozer? Et Schizo? Je sais pas ce qui se passe. J'ai vu Schizo avec Boozer. Où ça? Où, Ricky? Dick, les Reapers, ils sont en train de forcer l'infirmerie de Bordel. Tiens bon, j'arrive. Attends-moi.
attention. Ricky, y'a quelqu'un? Dick, je croyais t'avoir perdu. Ricky, où est Boozer? Et Schizo? Je sais pas ce qui se passe. J'ai vu Schizo avec Boozer. Où ça? Où, Ricky? Dick, les Reapers, ils sont en train de forcer l'infirmerie. Bordel. Ah, tiens bon, j'arrive. Attends-moi. Déconne? Putain, Ricky! Thank you.
Non. Lâche-la. Pitié. Pas ça. Vous êtes égaré. Égaré. Non, 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 non. Lâchez vos armes. Cessez le feu. Cessez le feu. Lâchez. Terminé. Je t'avais dit de pas sortir. J'ai entendu quelqu'un crier. Je pouvais pas le laisser mourir. Attendez, attendez. Oh, oh ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est fini. Iron Mike a négocié un cessez-le-feu. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Allons voir ça. Ça va? Viens. Je suis désolée pour tout ça. Oh putain, moi aussi. Mike, écoute, c'est seulement un malentendu. Ils veulent juste... Ils ont attaqué mon corps. Ils massacraient les nôtres! T'appelles ça un malentendu, toi? Mike! Vous venez sur nos terres! Qu'on a vous violez nos réserves! Vous attaquez et tuez les miens! Mike, écoute-moi! J'ai passé un marché! Hé! Hey, renonce, les mon frère! Renonce, attends! Vas-y, Schizo, parle-nous un peu de ce marché! Bordel, attends un peu! Pourquoi tu lui dis pas? Attends! Raconte-lui comment tu nous as vendus à ces tarés! Mais pourquoi tu veux que je dise ça? Foiré de fils de pute, Schizo! Tu vas te mettre à table ou je te jure que je t'égorge! Ok. Ok! J'ai passé un marché avec Carlos. D'accord? Mike! Mais c'était pas. C'était pas pour vendre notre temps. Je te jure. C'était pour ces deux guignols, Boozer et lui. C'est tout ce qu'ils demandent. Juste deux. Et jusqu'ici, tout va bien pour toi? Je l'ai fait pour sauver le camp, Mike. Pour régler ses histoires. Rétablir le traité qu'il a violé. Mike! Mike! Je suis content de te revoir en vie. Mais relâche-le. Dick! Ok. Ok, bon. Il a dit la vérité. Vous avez passé un marché? Seuls les égarés mentent. Oui. C'est vrai. Ok. Donc on vous livre Dick. William. Les bikers qu'importe le nom. Et vous laissez Lost Lake en paix. Vous reposerez en paix. Tu as ma parole. Tu vas la tenir, hein? Ta parole. Après tout, t'es le putain de gourou du RIP. Hé, hé! On vient là en messager de la paix. Mon cul, ouais! C'est mon corps! Mes hommes! Tu peux pas débarquer ici, faire un massacre et m'extorquer des faveurs sous couvert de cessez-le-feu! Pas moi! Alors je me fiche de ce que ces gars t'ont fait, ou de savoir pourquoi tu leur en veux. Tout ce que je sais, c'est qu'on te les livrera pas. Mike, vous avez un accord. Non, le voilà l'accord. Carlos! Et c'est le seul que t'auras. Prends tes clics et tes claques, et fiche le camp de Lost Lake. Où c'en est fini pour nous tous. Ici. Et maintenant. Le traité vaut toujours. De mon point de vue, ça a toujours été le cas. Sale fils de pute! Bon. Escortez-les hors de mon putain de camp. Hé. Hey. On se reverra. Hein, Carlos? Renonce, mon frère. Dick, écarte-toi. Écarte-toi! Mike, je veux juste te dire que... Mettez-le en cellule. Tu déconnes, on va se charger de ça. Lâchez-le! Je passe mon temps à vous le répéter. Mais vous ne comprenez pas! C'est pas comme ça qu'on règle nos problèmes ici! On ne marchande pas les vies!
On ne tue certainement pas les gens de sang-froid. Faites-le dégager. Lâchez-moi. Il aura droit à un procès équitable. On n'est pas des sauvages ici. Et il sera puni pour son crime. Je regrette pas, Mike. Jamais. J'aurais tout fait pour sauver ce putain de camp. Les Reapers ont pas fini. Carlos lâchera pas l'affaire. Tu m'entends? Ils reviendront. Tu sais qui c'était? Jesse. Mm-hmm. Ouais, être le chef d'une secte en pleine apocalypse, ça l'occupait pas assez. Il avait aussi besoin de se venger. Ce putain d'enfoiré de salopard. Ouais. Ça doit faire un moment qu'il sait qu'on est en vie. L'autre nuit, chez Willy, les Reapers étaient sûrement pas là par hasard. Est-ce qu'ils ont voulu nous livrer à cet enfoiré? Où ils l'ont emmené? Je vais le retrouver, je vais lui casser sa putain de gueule. Du calme, oublie ce qu'ils ont pour l'instant. Va chercher ton matos, des molotovs et toutes les munitions que tu peux porter. À quoi tu penses? Je sais déjà que c'est une mauvaise idée. Oui, c'est une mauvaise idée. Mais on va quand même le faire. Faut que j'aille chercher les explosifs au chalet et les cordons de détonateur chez Schizo. Retrouve-moi à la passerelle. Je t'expliquerai en chemin. Ça te va, mon frère? Ouais. Oh, ouais. Ouais, Ricky, je suis là. Hey, j'ai pas le temps, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de les voir enfermer Schizo et je... Ah ouais? Super. Mais là, j'ai pas le temps de parler. Et Carlos et les Reapers sont partis. Après tout ce qui... Maintenant, j'ai plus qu'à ramener ça dans ma cabane sans être vu. Voyons voir. Hey, tu crois que les mutants ont des souvenirs? Tu sais... Faut que je trouve les cordons de détonateur. Leur vie d'avant. La cabane. Comment j'ai pu faire confiance à ce connard?
Salut, toi. Schizo aura plus besoin de ça. Faut que j'aille voir Adi. Qu'elle soigne mon bras. Je peux pas laisser ça s'infecter. On sait ce que ça veut dire. Il y a qu'un seul nom sur ma liste noire, Schizo. Le tien. Je savais que c'était pas un petit gangster à la con. Une centaine de chiens. Attends, attendez juste que leur maître vienne les récupérer. Puis, l'un de mes gars a ramené un collet malade. C'était une chienne magnifique. Mais, on va voir notre veto. Sauf que le veto avait plus de place. Alors on l'a gardé. Je peux pas continuer comme ça. Ça va, je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis veto, moi, putain ! J'ai appris à soigner les coliques, les vomissements, les problèmes de sabots. C'est un sabot, ça, pour toi ? Adi, Adi. Oh, t'as vu ce qui est arrivé à Boozer ? Je peux pas faire ça. Hey, Adi. Ils sont beaucoup trop Adi. Nombreux. Ils agonisent. Adi. Déconne, je suis pas médecin. Ok, peut-être pas. Mais tu es tout ce qu'on a. Adi est pas docteur, hein? T'es peut-être pas docteur, mais t'as sauvé la vie de Boozer. Pour moi, ça compte. Salut, Dick. Je suis allée inspecter les explosifs. Pour vérifier que les Reapers s'étaient pas servis, puis je suis allé chez Schizo pour voir les cordons de détonateur, mais j'aurais mieux fait de venir ici directement. Tire-toi d'ici, Ricky. On doit pouvoir faire sauter la grotte, non ? Je viens avec toi. Quand j'étais gosse, mon père a trouvé un hydra sous l'un de nos cabanons. Tu sais ce qu'il a fait ? Aucune idée. Il a attendu jusqu'au matin qu'ils soient tous endormis. Il a posé une planche au-dessus du trou et il m'a dit de prendre le tuyau d'arrosage. Et là, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit que le meilleur moyen de tuer des rats, c'est de les noyer. Tu vas faire exploser le réservoir en amont du camp ? Ouais, c'est l'idée. Deacon, tu S'ils peux pas... S'ils veulent reposer en paix, je vais les aider. Deacon, tu peux pas faire ça. Quoi ? À cause d'Iron Mike ? À cause de ce putain de traité ? Je peux pas encadrer Schizo, mais il a raison sur un point. Carlos va pas s'arrêter. Les Reapers non plus. Et tu le sais. Et y a rien de personnel à ça. Un peu que c'est personnel. D'accord. Boozer, je me dirige vers la porte, t'es prêt ? Je suis en avance, Frangin.
Ok, j'y suis presque. Boozer, je me dirige vers la porte, t'es prêt? Je suis en avance, frangin. Ok, j'y suis presque. Chouette fusil. Oh ouais, un petit cadeau de Schizo. Rappelle-moi d'être là quand tu les rendras. Tu seras là, t'inquiète. Enfoiré de Schizo. Qu'est-ce qu'on va faire de ce fils de pute? Lire, on va pas laisser Iron Mike faire cadeau d'un procès quand même. Non, pas question. Bon, c'est quoi le plan? Je connais bien la zone. Sarah, elle bossait dans un labo au sud d'Iron Butte Ranch. J'avais l'habitude de passer et la prendre pour déjeuner. Je lui ai appris à conduire sur ces petites routes. Jesse, Carlos, appelle-le comme tu voudras. Il contrôle l'ancien complexe de golf. Et juste au sud du chalet, il y a le réservoir de Crescent Lake. Si on fait sauter ce barrage, le lac inondera toute la vallée. Ils seront noyés, comme des rats. D'accord, mais le chalet, il est pas sur une colline? Ouais, ouais, l'eau l'atteindra probablement pas. Mais elle balayera le reste du complexe des Reapers et éliminera la plupart de ses hommes. Ouais, et si Jesse s'en sort, il n'oubliera même pas arriver. Exactement. Reste plus qu'à trouver comment traverser la vallée d'Iron Butte sans se faire remarquer. T'inquiète pas, on y arrivera, accroche-toi!
patrouille de Reaper. Je les ai vus. Soirée de Reaper. Faut continuer au sud!
Je te suis. Bien sûr.
Ça les foule. Ouais, putain. Et voilà. Thank you.
notre injecteur du Nero. Cool. Super ce truc.